Salué à son arrivée en quoi par les sages du département des plateaux, après lui avoir fait porter la tenue traditionnelle et tous les attributs du pouvoir qui y vont avec en présence du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République Florent Tsiba, l'ambiance qui a précédé la cérémonie officielle de pose de la première pierre des travaux de construction de la ligne moyenne tension Kebara-Koukoua a été riche en symboles, au point de réveiller auprès de certains de fortes émotions des rites traditionnels du royaume Tiki. Une allégresse somme toute légitime, partagée par le sous-préfet du district de Lekana, Égide Abou. Pour l'ensemble des populations du district de Lekana, et en mon nom propre, je voudrais vous traduire toute notre joie et vous souhaiter à vous-même et à la délégation qui vous accompagne la bienvenue à quoi. Au nombre des missions prescrites à la Société Énergie Électrique du Congo par le gouvernement, figure celle d'accentuer la desserte en électricité, d'être à l'écoute des usagers, de répondre à leurs attentes et de maintenir une présence visible sur le terrain, a rappelé le directeur général d'énergie électrique du Congo. Ce jour, que fit le Seigneur, est un jour de fête et d'allégresse, car dans quelques minutes, vous allez officiellement lancer les travaux de construction de la ligne électrique 33 kV, Koua Kivono Kebara, longue de 12 km, permettant ainsi l'électrification des villages suscités. Deux postes seront érigés, dont un au niveau du village Kivono et un autre au village Koua. 5 km de câbles préassemblés sera utilisé pour la distribution et 25 luminaires dans chaque localité pour l'éclairage public. Et puisqu'une telle cérémonie ne pouvait être mise en œuvre sans la bénédiction des lieux par les manes, on est passé au rituel avant la pose de la première pierre par le Premier ministre, chef du gouvernement. À travers cet acte, les fils et filles du département des plateaux ont témoigné leur joie aux autorités de la République en offrant des cadeaux de tout genre au président de la République et au Premier ministre, à l'image de cette peau de panthère et de ces deux tableaux.